Salut à tous, bienvenue sur le nouveau tutoriel d'Adamo Arts. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment créer un masque de crêtage avec Adobe Illustrator. D'abord, je vais ouvrir Adobe Illustrator avec déjà un beau projet. Je vais insérer un test. Voilà. Insérer un test au hasard. Je change de police. Voilà, maintenant que j'ai fini d'écrire le test que je voulais écrire, je vais importer une image. Voilà, j'ai importé une image et je vais mettre la taille, ajuster la taille plutôt. Ok. On va manger la taille. Voilà. D'abord, le masque de crêtage, je trouve ici un objet masque de crêtage. Mais actuellement, je n'ai pas le. Je n'ai pas créé le masque. Pour créer le masque, il faut tout d'abord tout sélectionner. Voilà. Je finis de sélectionner, je fais clic droit, créer un masque. Mais attention, cela n'a pas marché parce que. Pour créer une masse de crêtage, l'outil sélectionné au premier plan doit être un tracé ou doit être une forme. Voilà, une forme, c'est-à-dire une écriture ou un tracé ou quelque chose, quoi. Voilà, ou un outil, par exemple, l'outil rond, c'est une forme. On peut mettre un outil rond. Ok, j'appuie OK. Je fais clic droit sur l'image. Je le mets en arrière-plan. Maintenant qu'il est en arrière-plan, je vais créer le masque de crêtage. Je sélectionne. Et puis bon, on crée le masque de crêtage. Ok, nous avons le masque de crêtage. Vous voyez dans le fond, on voit l'image. Et maintenant, je peux ajouter la forme. Notre logo. Il me dit Alt et par le son gauche.
Donc, voilà. Donc, nous avons fini de créer une base d'écritage et ça nous a permis de nous créer un logo. Merci de nous avoir suivi ce tutoriel et à la prochaine pour un nouveau tutoriel.